créature, mais je ne le crois pas. Je pense plutôt qu'il a essayé de se faire léviter sans magie. Mes parents étaient ravis de savoir que Black allait être nommé. Lumos. Bonne idée, ces vieilles cartes trésors. Lumos. Revelio. Lumos. Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravie de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rookwood. Ranrok était après Olar, avec Rookwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrok pour que Rookwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrok collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrok. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin, je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore,
et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue.